Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais commencer en fait débuter une série de 4 capsules vidéo qui auront pour but d'expliquer et développer un petit peu la symbolique qu'il y a autour des principales fêtes païennes de mai, c'est-à-dire bien sûr la fête de Beltane des Celtes, la fête germanique de Walpurgisnacht, ainsi que la fête des fleurs romaines, la Floralia. Et vous pourrez constater au fur et à mesure de ces vidéos qu'en fait la symbolique autour de ces fêtes est bel et bien commune. Cette vidéo sort un petit peu en retard par rapport aux célébrations de mai, mais j'ai été retardé un petit peu par le tournage, le montage de la FAQ, donc voilà, désolé un petit peu pour ce retard, mais je vous propose de commencer dans cet épisode en fait par la fête germanique de Walpurgisnacht, qui est donc peut-être celle qui est au final la moins connue, parce qu'elle a été au fil de l'histoire plutôt associée à un culte de sorte de sorcellerie en fait, d'un point de vue un petit peu romantique, et donc je vais essayer de développer dans cette vidéo la symbolique originelle qu'il y a derrière ça. Pour comprendre Walpurgis, il faut déjà savoir que le nom de cette fête fait en réalité référence à Sainte Walpurga, qui était une Saxonne et qui a vécu au 8e siècle, et née dans l'île de Bretagne, l'actuelle Angleterre, et qui est partie par la suite dans l'actuelle Bavière pour essayer de tenter d'évangéliser cette région qui était restée totalement impie. D'ailleurs, le lieu où elle s'est installée s'appelle encore aujourd'hui Heidenburg, ce qui signifie le foyer païen, ça ne s'invente pas. À la suite de ça, elle fut canonisée et sa fête est célébrée le 1er mai. Mais sous ce vernis chrétien, vous l'aurez bien compris, se cache en réalité une fête païenne qui était célébrée à la même période. Lors de nos jours, on fait directement le rapprochement entre Walpurgis et les sorcières et la sorcellerie, puisqu'on l'appelle également la nuit des sorcières ou encore le sabbat des sorcières. Mais ces sorcières, en réalité, qui sont-elles réellement? En allemand moderne, on traduit sorcière par Hexen. Et ce mot, selon le livre Fête païenne des 4 saisons, serait rapproché linguistiquement parlant de la racine norroise Hagr, qui signifie sage. Donc on peut simplement se demander si en réalité ces sorcières n'étaient pas des sages-femmes. C'est une hypothèse qui semble corroborée par le fait que durant la Renaissance et la grande chasse aux sorcières, justement les premières victimes de cette chasse aux sorcières étaient les sages-femmes qui étaient accusées par l'Église de s'opposer aux volontés de Dieu en aidant les femmes à mettre leur enfant au monde et à pratiquer la sorcellerie car elles avaient une grande connaissance des plantes médicinales. Donc on peut rapprocher également cette racine Hagr de la rune Hagal, qui est donc la 9e rune du Futhark. Et cette rune, qui possède la symbolique de l'œuf primordial, de la semence, lorsqu'elle est présentée sous sa forme la plus récente, elle est appelée également la rune mère, parce que tout simplement, lorsqu'elle est intégrée dans un cercle, une figure géométrique, elle va intégrer en son sein toutes les autres runes du Futhark. Donc la rune Hagal est également intimement liée au principe créateur, à la vie, et elle colle dans cette fonction parfaitement au thème, justement, la symbolique de Beltane et de Floralia, et donc de Walpurgisnacht. Hagal est donc également lié à un principe de résurrection de la nature, de réincarnation et de continuité des cycles, le tout intégré dans cette symbolique de l'œuf. Et on peut également mettre en avant le fait que ce soit la 9e rune du Futhark qui peut être mise en relation du coup avec les 9 mois de la gestation humaine. Dans cette notion, on va la retrouver également chez les Grecs, notamment dans la figure de Maïa. Maïa qui est une des Pléiades de la mythologie grecque et nourrice d'Arcas, fils de Zeus. Maïa est le nom qui a donné en français notre mois de mai, et c'est également un nom qui en grec signifie, c'est également synonyme de sage-femme, mais c'est également le nom qui a donné le terme de maïotique qui sert à désigner en fait la discipline scientifique pratiquée par les sages-femmes. On peut également évoquer certaines coutumes qui avaient toujours lieu au Moyen-Âge et dont notamment Nostradamus fait référence au XVIe siècle et qui consistaient en fait dans les villages de Provence à élire une jeune femme, souvent sur des critères de beauté physique, de la parer de couronnes de fleurs et d'autres vêtements, des soieries, etc. Et ensuite elle était placée dans une sorte de niche qui s'appelait la maille. Et qui est de là, en fait, les jeunes gens et les gens aisés du village étaient censés lui donner une pièce en échange, il recevait un baiser. Ces coutumes semblent remonter jusqu'à l'époque romaine, et durant le Moyen-Âge, ces jeunes femmes étaient appelées Maïa. Donc on voit bien qu'il y a une continuité entre ces différents éléments, entre la mythologie grecque et ces coutumes qui sont restées assez vivaces dans certaines régions rurales.
D'ailleurs, ce nom de Maya, que l'on peut rapprocher assez facilement du nom Maria, qui est bien sûr la Marie de la tradition chrétienne, c'est peut-être la raison pour laquelle ces traditions ont pu survivre sans que l'Église ne leur fasse trop d'histoire, étant donné la proximité entre le nom Maya et Maria. Et chez les hindous, on retrouve également le nom Maya qui signifie la terre-mère, ou qui désigne encore un principe créateur féminin. Donc on retrouve toujours cette symbolique et qui sera développée notamment dans les prochaines vidéos. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur cette Walpurgisnacht, c'est que très loin de l'image habituelle qu'on se fait de ce culte orgiaque à moitié teinté de sorcellerie, voire même de satanisme, en réalité, ces célébrations étaient intimement liées au principe fondateur, c'est-à-dire au principe de fertilité, de fécondation. Et cette fête mettait peut-être à l'honneur justement les sages-femmes, qui était une profession qui a existé depuis la nuit des temps et qui était donc très importante, puisque c'est celle qui permettait de donner la vie, que la vie perdure. Et c'est également cela mis en relation, bien sûr, avec l'éclosion de la vie qui revient justement à cette période de mai. Parce que nous avons déjà cette symbolique en fait du renaissance de la nature à Ostara, mais à la date d'Ostara, la nature est encore à l'état de frémissement. Elle commence seulement à renaître. On a seulement des bourgeons dans les arbres, etc. On n'a pas encore cette explosion de verdure qu'on va retrouver en mai. Donc Ostara est plus liée en fait au cycle cosmique des éléments. Or, Belten va plus être relié justement à des éléments telluriques et humains. Donc pour résumer, en fait, ces sorcières de Walpurgis, c'est probablement tout simplement des sages-femmes qui sont l'incarnation, si je puis dire, de ce principe créateur, de ce principe de vie, de célébration de la vie, du retour de la vie, qu'elle soit dans la nature ou dans les foyers humains. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'il faudra, ce sera très important en fait de suivre chacune des quatre capsules vidéo que je vais faire sur ce sujet, puisqu'à chaque fois je vais exposer une symbolique différente, et donc ce sera vraiment l'intégralité de ces quatre vidéos qui aura pour prétention de faire la lumière sur au moins une bonne partie de la symbolique d'Ostara. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine capsule vidéo sur le thème de Belten et de la symbolique du printemps.